Qu'est-ce qu'il fout, Godidec? Putain, on perd du temps, là. Antoine Delmar, 45 ans. Libéré il y a 2 jours de la maison d'arrêt de Rennes. Condamné à 3 ans de prison et libéré au bout de 18 mois pour bonne conduite. 2 grammes d'alcool dans le sang. Il conduisait le car scolaire. 6 enfants et leur institutrice sont morts. Vous êtes le capitaine Perec? Bonjour. Bonjour. Je suis le lieutenant Lester, SRPJ de Rennes. Marie Lester. Excusez-moi, j'ai une migraine épouvantable. J'ai dû attraper une cochonnerie. Adjudant, chef. Adjudant. Bonjour, adjudant Paul Tanguy. Je suis à votre disposition. Bonjour. Alors, la victime s'appelait Antoine Delmar. Oui, je sais, j'ai lu le dossier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Heure approximative de la mort, 7h-7h30. 2 balles de chevrotine dans le ventre. Un coup mortel qui a percé le cœur. Sans doute un accident de chasse. On chasse au gros dans la région? Non, pas vraiment, plutôt le faisan. On ne tire pas le faisan à la chevrotine. La distance? 2 ou 3 mètres. Un accident de chasse quasiment à bout portant. On ne peut pas exclure cette hypothèse. Le matin, le brouillard n'est pas encore levé. Alors, l'accident, c'est possible. C'est quoi? Un coup de couteau. Récent? 2 jours, pas plus. Le jour de la libération de Delmar. On a retrouvé les cartouches? Non, non, on ratisse, mais rien pour l'instant. Et qui a découvert le corps? Ah, c'est le chef. Elle est toujours sur le coup, la première. Je suis désolée, je suis vraiment dans le gaz. C'est vous qui avez trouvé le corps de Delmar? Pas vraiment. J'étais partie aux champignons, j'ai croisé le cause, il était complètement paniqué, j'ai eu du mal à le calmer. Et qui est le cause, un chasseur? Non, c'est un brave vieux qui braconne dans le coin. Mais où est-il? J'ai pris sa déposition, j'ai laissé partir. Tout le monde le connaît ici. Il est un peu simplet, mais il est pas méchant. De toute façon, il a rien vu de plus que moi. J'ai fait mon boulot. Je pensais pas qu'on allait m'envoyer un fil de Rennes dans mon enquête. Bon, on se retrouve à la gendarmerie, je dois d'abord passer au garage. Non, là, moi, je rentre chez moi, je tiens plus le coup. On se voit demain. Delmar n'aurait jamais dû revenir au village.
Ah bah c'est votre jurite. C'est bien simple, elle est morte. Faut que j'en commande une autre. Ça va être à faire 24 heures. Et si vous n'êtes pas trop loin, je peux vous déposer quelque part. Ah oui, merci. En vacances? Non, boulot. Vous étiez à la chasse ce matin? Ouais. Où ça? Sur les terres d'un ami, pourquoi? Une chasse privée? Pourquoi vous posez toutes ces questions? Vous êtes flic ou quoi? Oui. Et c'est moi qui suis chargée de l'enquête sur le meurtre d'Antoine Delmar. Je peux savoir où vous étiez quand ma petite fille elle a été tuée? Vous chassiez avec qui et où? Dans les bois du Haut-Longo. Avec deux amis. Très bien. Je vous attends à la gendarmerie. Tous les trois et avec vos fusils. Merci. Vous inquiétez pas pour votre voiture, hein, il va la réparer, la Hennec. Dans l'espoir de me voir déguerpir au plus vite. Vous savez, moi, je viens d'être affecté ici, j'ai pas vécu tout ça, hein, quand... Éric Lamont. Le garagiste, vous le connaissez déjà, c'est Gilles Lahennec. Et lui? Charlie Revel. Où est le capitaine Perec? Elle est malade. Et c'est moi, monsieur Lamont, qui suis chargé de l'enquête. Alors on dérange un flic de Rennes pour la mort d'un salaud? On dérange un flic de Rennes pour un meurtre. Qu'est-ce qu'il a fait d'Elmar? C'était pas un meurtre, peut-être? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre à nous autres? Quand on m'explique, je comprends. Et le premier à m'expliquer sera monsieur Revel. Entrez. Asseyez-vous. Le retour d'Antoine Delmar a dû être un choc pour vous. Vous ne pensiez pas qu'il reviendra au village après ce qu'il a fait? Il a été libéré pour bonne conduite, lui? Il devait faire 3 ans. Déjà 3 ans, c'est pas beaucoup. Mais là, c'est comme si nos enfants étaient morts une deuxième fois. À son retour, vous l'avez revu? Non. J'aurais pas pu. Ça fait 3 ans que je dors plus. 3 ans que je passe devant la chambre de mes enfants et que je vois leur petit lit, leurs affaires, leurs jouets, que je me dis qu'il faut que je les enlève et que je peux pas. Vous étiez à la chasse ce matin avec Gilles Lahennec et Éric Lamont? Lahennec, Godinec et moi, on est les seuls à être restés au village après la mort de nos enfants. Les deux autres familles sont parties pour oublier. Mais on peut pas oublier. On peut juste continuer à vivre. Et des fois, on se demande pourquoi. Pourquoi Delmar n'est pas mort? Pourquoi il s'en est sorti? Pourquoi il est revenu, c'est ça? Oui, mais on l'a pas tué. À quoi bon? Parlez-moi de Godinec, monsieur Revel. Sa femme, c'était l'institutrice. Il était avec vous à la chasse? Oui. C'est de justice qu'il soit mort. Belle oraison funèbre. Vous voulez pas qu'on le pleure non plus? Mais nos fusils, on les récupère quand? Après l'expertise balistique. On est en pleine période de chasse, là. Eh ben, vous irez à la pêche. Le fils de Godinec, il a perdu sa mère, il est estropié à vie. Et il est où, Hervé Godinec? Pourquoi il n'est pas venu avec vous, monsieur Lamont? Il doit être chez le kiné, pour la rééducation de son fils. Vous avez des enfants? Non. Ni mort, ni vivant. Seulement, il y a des gens que j'aime et qui souffrent à cause de ce que cette ordure de Delmar a fait. Si je la loge pas, tu crois vraiment que ça va changer quelque chose? Elle a raison. Même sous une tente, je continuerai mon enquête. Ça vous pose un problème? Pas leur vouloir, ça a été un sacré choc, vous savez. Moi, j'ai pas d'enfant. Tu vas pas lui raconter ta vie, non? Vous repartez d'où vous venez? Mais j'y compte bien.
dès que j'aurai bouclé l'enquête. Je peux avoir ma clé, s'il vous plaît? C'est notre chambre la plus tranquille. Merci. Qu'est-ce que t'as besoin d'être aussi aimable, toi? Lâche-moi, Eric. J'ai affaire. Oui, entrez. Ah, merci pour la couverture. Vous le connaissiez bien? Non. Pourtant, tout le monde se connaît ici. Il était différent. On ne savait pas s'il avait vraiment des racines. Il cherchait pas à se faire aimer. Vous le connaissiez quand même un petit peu. On entend des choses derrière le comptoir d'un bar et j'y passe du temps. Les gens vous parlent? Je suis la femme d'Eric. Je fais partie des meubles. J'ai pas plus d'intérêt que ça. Au moment du drame, Eric a tout pris en main. C'est lui qui a déposé plainte contre Antoine Delmar. C'est lui qui a poussé les familles à se regrouper. Il allait au procès tous les jours. Il s'est même battu pour que tous touchent le fonds d'aide aux victimes. Pourquoi il en faisait une affaire personnelle? Mais c'est le maire. Ici, c'est son village. Tout le monde est un peu à lui. Au lait, votre thé? Je peux rien avaler. Vous regrettez d'être resté au village? Non. Je croyais vraiment que je pourrais être utile. C'est Eric Lamont qui m'a convaincu de faire carrière ici. Vous le connaissez depuis longtemps? Il est comme un grand frère. Toujours là. Je vous ai mis 2 sucres. Merci. Tenez. Vous ne pensiez pas que Delmar reviendrait au village? Il avait de la famille? Non. Et personne n'attendait. À part son assassin. Menez votre enquête. Quand j'irai mieux, je vous rejoindrai. Mais là, j'ai vraiment besoin de me reposer. Nadine. Qui a frappé Delmar d'un coup de couteau? Gonidec. Hervé Gonidec. Bonjour. Je voudrais voir ton père. Qui êtes-vous? Je suis le lieutenant Marie Lester. Et qu'est-ce que vous lui voulez à mon père? Lui poser quelques questions. Il n'est pas rentré de la pêche. Quand ça donne bien, on peut rester 3 jours en mer. Bonjour. C'est bien le bateau d'Hervé Gonidec? Oui. Merci. Yo, vous n'avez pas le droit de monter à bord? Ben, je le prends. Oui.
balistique a envoyé son rapport. Alors ? C'est pas le fusil des chasseurs. Je peux le rendre, ça les calmera. Allez-y. Et je veux deux hommes tout de suite. Et vous envoyez ça à la balistique, il y a un fusil là-dedans. Mais il est tard. Oui, bah on se dépêche, hein. Le jour n'est pas tombé, on est encore dans l'heure légale. D'accord. Yann, Loïc, il est où ? Il dort, bah on y va. Je vais mettre ça bien. Bon, Paul ! Oui, j'arrive. Hervé Golidec, je vous mets en garde à vue pour le meurtre d'Antoine Delmar. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Vous avez pas le droit ! Ça va aller, t'inquiète pas, je serai pas long. Y a quelqu'un à prévenir pour s'occuper de votre fils ? Je me débrouille. Appelle Mémé pour qu'elle vienne. Vos amis voulaient vous aider et votre fils aussi. Mais vous n'étiez ni à la chasse, ni à la pêche, monsieur Gonidec. Non, j'étais dans mon lit. C'est pas un crime. Où est votre fusil ? Je sais pas, je l'ai perdu. On perd pas un fusil. Moi, si. Vous voulez en venir où, là ? Si vous croyez que j'ai tué Delmar, vous me bouclez. J'ai retrouvé votre fusil, monsieur Gonidec. Et je l'ai envoyé à la balistique. Ah. J'écoute. Il était sur votre bateau. Ah bon ? Bon, alors, non, je l'ai pas perdu. Vous ne m'aidez pas beaucoup. Et pourquoi je devrais vous aider ? Vous avez quand même tenté de poignarder Delmar. Oui. Mais c'est pas ça qui l'a tué. Mon père, elle a rien fait. Je demande qu'à le croire, mais il me faut des preuves. Tu m'as menti. Je croyais qu'il était sorti. Yannick, tu peux me faire confiance. Parle-moi. J'ai rien à dire. Pendant la garde à vue, c'est pas légal, mais... si tu veux voir ton père, je m'arrangerai. Je veux que mon père rentre. Un bon avocat, Gonidec. Faut plaider la légitime défense. Vous interrompez une réunion d'un conseil municipal. Vous allez la journée. Je peux boucler toute personne qui a fait un faux témoignage. Et alors ? Ça vous avance à quoi ? Ça m'avance à rien, mais ça me soulage. J'aime pas qu'on me prenne pour une idiote. Et vous, vous n'avez aucun droit de vous servir de la douleur de vos amis. Vous n'avez pas à parler pour eux. Gonidec était pas avec nous à la chasse. On l'a attendu, mais il est pas venu. De toute façon, on sera derrière lui. On le laissera jamais tomber. Il va falloir de sacrées preuves pour le foutre en prison. Quand vous chassiez, vous avez vu Jean Lecauze ? Faut pas croire tout ce qu'il dit, lui. Vous le laissez braconner sur vos terres. C'est pas le seul. Pour rien empêcher. Ouais, même Nadine, elle lui fout la paix. Vous la connaissez depuis longtemps ? On chasse ensemble depuis l'enfance. Depuis le drame, elle a plus jamais... Tais-toi ! Nadine, elle est des nôtres. Bon, bah foutez-nous la paix, maintenant. Suffit, merde.
Bonjour. Je voudrais lire la déposition du braconnier. Vous savez où le capitaine Perret l'a rangé? Ah, il a rien noté. Et vous? Bah non, c'est elle qui l'a interrogé. J'aurais dû. Détendez-vous, Paul, c'est pas un examen. Bon, donnez-moi tous les dossiers du capitaine Perret. Merci. Il y a un problème? Il y a plusieurs mains courantes déposées contre Delmar, bien avant l'accident. Tapage nocturne, ébriété sur la voie publique, dégradation de biens privés. Il a plusieurs fois saccagé le bar des Lamont. Vous pouvez me chercher son adresse? Elle n'est pas dans le dossier. Oui, chef, oui. Vous pouvez m'appeler Marie. On fait équipe, non? Oui. Merci. Allô? Oui. J'aurais voulu avoir le service des papiers d'identité, s'il vous plaît. Oui. Entrez. J'ai mis Gonidec en garde à vue. Pas d'alibi, un fusil qu'il a caché et un réel motif. J'attends le rapport de la balistique. C'est votre enquête? C'est aussi la vôtre. Vous allez mieux? Oui, mais pas assez pour travailler. Alors vous aussi, vous pensez que la mort de Delmar n'est que justice? Je vis dans ce village, avec eux tous, tous les jours. J'y serai encore quand on serait parti. J'ai fait des courses, on va déjeuner? Non, j'ai pas très faim. J'ai pas envie de rester seule à l'hôtel. Vous les connaissez, j'ai pas le courage de les affronter. Vous pouvez comprendre ça? On parlera pas de l'enquête. On fait une parenthèse, d'accord? Peut-être que Jean-Luc Cause a été témoin du meurtre? Non. Il relevait ses collets et il a vu l'assassin de Delmar. C'est possible, non? Vous tenez Gonidec, non? Je tiens un suspect. Est-ce que c'est vraiment le coupable? Vous mangez pas? Si. Il n'y a pas d'adresse au village pour Delmar. Pourtant, il est revenu ici. Bah c'est bizarre, il a fait une demande de passeport dès sa levée d'écrou, il a donné l'adresse à un hôtel à Rennes. Pourquoi il est revenu? Ou pour qui? Paul, essayez de me trouver ce passeport. Et on a des nouvelles de la balistique? Oui, alors l'arme de Gonidec a servi dernièrement. On a relevé des traces de poudre dans le canon. Mais pour les empreintes, on a fini, mais il y en a plusieurs qui appartiennent pas à la même personne. Et les cartouches, le calibre, c'est quoi? On sait pas. Fabrication artisanale, mais là aussi on a fini. Bon, vous m'amenez Hervé Gonidec, hein? D'accord. Mon fils a assez souffert. Ça n'a pas toujours été facile entre lui et moi. On n'arrivait pas bien à se parler après le drame. Maintenant, il y a encore des coups de gueule, mais ça va. Alors faut me faire sortir d'ici. Faut pas me l'enlever. Je veux bien vous aider, monsieur Gonidec. Mais c'est donnant-donnant. Si vous n'avez pas tué Delmar, dites-moi au moins où et quand vous l'avez vu pour la dernière fois. Le jour de son retour, je l'ai vu. Il voulait pas se faire voir et raser les murs, alors je l'ai suivi. Et il fallait que je sache pourquoi il était revenu. Il avait une planque, une vieille maison, inhabitée depuis des années.
Delmar est revenu au village pour retrouver Christine Lamant, la femme qu'il aimait. Pendant sa détention, elle lui a écrit tous les jours. Ils avaient des projets d'avenir, des projets de voyage. Monsieur Lecouze, je peux vous parler ? Mais vous êtes qui, vous ? Je travaille avec le capitaine Perec et j'aimerais qu'on parle un petit peu tous les deux. Ah, moi, je lui ai tout dit au capitaine. Elle m'a dit que personne ne m'embêterait. Hein. Ah non, mais je ne vais pas vous embêter, monsieur Lecouze. Je voudrais juste que vous me racontiez ce que vous avez vu ce matin-là. J'ai vu ce que j'ai vu et j'ai tout dit au capitaine. Et maintenant, vous pouvez peut-être me le redire à moi. Vous n'êtes pas gendarme, vous ? Vous n'avez pas d'uniforme. Ah non, mais je suis de la police. C'est pour ça que je suis en civil. Je crois pas, je suis sûr que vous êtes de l'hôpital. Je suis pas fou, moi. J'y retournerai pas. J'y retournerai pas. Monsieur Lecouze, attendez. Mais attendez. C'est chez moi ici, c'est une propriété privée, vous n'avez rien à faire là. Village non plus d'ailleurs. Retournez à Rennes. Ne me faites pas peur, monsieur Lamant. Pourquoi vous n'avez pas interdit l'accès de votre bar à Antoine Delmar, avec tout le grabuge qu'il y faisait ? Vous ne supportez pas l'alcool et vous l'avez abreuvé jour après jour. Vous l'avez poussé. Mais vous n'allez pas vous y mettre vous aussi, non ? Qui d'autre vous le reproche ? Christine Lamant a acheté deux billets d'avion pour l'Australie. Elle les a payés cash et elle n'est jamais venue les chercher. J'écoute. Allez, maintenant, faut tout me dire. Je suis sûr que vous avez levé un sacré lièvre. On fait équipe, non ? Je dois vous parler. Bon, laissez-nous, Paul. Viens. Ce sont des somnifères ? Oui, c'est ce que j'ai donné dans la purée de papa, avant-hier. Et après, il a dormi comme une masse toute la nuit ? Ouais. Je voulais pas lui dire, j'avais peur de sa réaction. Après le coup de couteau, tu pensais qu'il allait recommencer ? Je l'ai surveillé. J'avais peur de dormir, alors je lui ai encore mis des somnifères. C'est ce que le docteur lui a donné après la mort de maman. Et ensuite, tu as pris le fusil et tu l'as caché sur le bateau. Ouais, je voulais le foutre à l'eau. Tu sais, on a retrouvé des traces de poudre dans le canon du fusil. Ça veut dire que quelqu'un a tiré avec. C'est ça qui accuse ton père. C'est moi qui ai tiré avec. Parce que j'étais en colère. Et aussi parce que je voulais vider les cartouches du canon. Toi aussi, tu aurais voulu que Delmar ne revienne jamais. Vous allez libérer mon père ? Oui. Allez, viens. Et je dirai rien pour les cacher, c'est promis. Merci. Vous pouvez le raccompagner. On relâche Gonidec. Son fils vient de le disculper. Vous relâchez Gonidec ? Non, parce que le témoignage de son fils, il tient pas, il est mineur. Et en plus, c'est son fils. Hein, c'est percevable. Alors, on fait plus équipe ? Si, mais j'ai du mal à vous suivre. En plus, on n'a pas encore le rapport de la balistique. Mais le rapport de la balistique, il dira comme moi. Il n'a pas tiré de la chevrotine. Donc, on n'a pas l'arme du crime. Thank you.
de la route, 50 ans et leur institutrice, tuée dans un accident d'autocar. L'alcool semblerait être encore une fois à l'origine de ce drame. J'ai été heureuse ici, malgré tout. Quand Antoine est arrivé au village, ça a été comme une bouffée d'oxygène. Il avait voyagé, il avait des histoires à raconter. Avec lui, j'avais l'impression d'exister. Pourquoi vous n'êtes pas partie avec lui à sa sortie de prison? Tout était prêt. Vos billets d'avion, vos passeports. Je suis lâche. J'avais peur. C'est pour ça qu'il est revenu ici. Il espérait vous convaincre. Vous pouvez pas comprendre. Vous, vous avez votre vie en main, vous décidez, vous agissez. Moi, je... Christine, vous aussi, vous pouvez décider. Votre mari savait? Oui. À moi. Tu comprends ça? Tu m'as compris? Fous-toi ça dans la tête, tu m'appartiens! Merde! Si vous la touchez encore, je vous abats comme un chien! Allez, suivez-moi, l'amant. Vous la fermez. Un seul mot, un seul. C'est moi qui vais vous faire un plaisir de vous dérouler. Appelez un médecin. Ça va aller, Christine. Je vais vous sortir de là. J'ai pas tué Delmar, je savais même pas qu'il était revenu. Il n'y a pas d'autre fusil chez l'amant. J'ai interrogé tous les armuriers de la région et il possédait aucune autre arme. Merci. Je l'ai pas tué, je vous dis merde! Vous devez m'en lâcher! Non. J'ai droit à 24 heures de garde à vue et je vais pas m'en priver. Ensuite, je vous défère pour coups et blessures. Eric Lamont a failli tuer sa femme. Quoi? Non, ça c'est pas possible. Vous passez votre vie les yeux fermés, Nadine. Vous voyez pas ce qui se passe dans votre village? Ou plutôt vous ne voulez pas voir? Lieutenant Lester, je suis ici, chez moi. Je suis pas obligée de vous écouter. Mais si vous allez m'écouter. Si vous m'aviez parlé avant, on aurait peut-être pu collaborer. Ah oui? Ça vous aurait évité de faire des conneries. C'est pour ça que vous êtes là. La colère d'Eric, vous avez dû la provoquer. Vous avez été trop loin. Ça vaut vraiment le coup de tout saccager pour trouver l'assassin de Delmar? On lui avait confié nos enfants et les a emmenés à la mort. Je savais qu'il buvait. J'aurais dû l'arrêter. Lui faire sauter son permis de conduire. Et l'amant? Il lui a servi à boire jusqu'à ce qu'il perde le contrôle de lui-même. Il voulait le détruire parce qu'il était au courant pour la liaison avec Christine. Je sais. J'ai rien fait. Tout ce que je pouvais faire, c'était aller regarder se démolir jour après jour. Je vais faire plonger l'amant. Je trouverai des preuves. C'est pas lui qui a tué Delmar. Les chasseurs l'auraient pas couvert. Ils l'ont bien fait pour Gonidec. Gonidec, il a vécu le même malheur qu'eux. Ils sont solidaires dans la souffrance. L'amant, lui, il a rien perdu dans l'accident. Nadine,
C'est lui qui a servi à boire à Delmar. 2,8 grammes d'alcool dans le sang. Vous savez combien de verres ça fait? Vous devez porter plainte. Vous demandez trop. Pour le moment, je pars. Vous pourrez me dire qui a tué Antoine. J'ai pas envie de l'apprendre par les journaux. Bien sûr. Et donnez-moi de vos nouvelles. Oui. Vous êtes reparti aux champignons? Vous avez raison. J'ai pas passé ma vie à fuir. Je reprends l'enquête. Vous avez une idée? J'ai réfléchi. Vous devriez interroger le cause. Il y a quelque chose qui cloche dans sa déposition. Bonjour. Vous allez mieux? Oui, ça va mieux. Paul, vous libérez l'amant. Mais j'ai pas reçu d'ordre. Je viens de vous le donner. Vous prenez des hommes. Vous allez rejoindre Esther chez le cause. C'est lui qui a tué Delmar. Dépêchez-vous. Papa! Posez ça, monsieur Lecause. C'est pas à moi. Je viens de le trouver sur le tarbois, c'est pas à moi. Posez-le. J'ai rien fait, je vous le jure. Mais je veux pas qu'on me ramène là-bas, j'y retournerai pas. Le matin de la mort de Delmar, vous avez vu quelque chose? Non, j'ai rien vu. Mais si, vous avez vu au moins le cadavre et le capitaine Pérec. À l'asile, ils sont méchants avec moi. Ils m'attachent. Monsieur Lecause. Le fusil, là, c'est l'arme du crime et il y a vos empreintes dessus. C'est pas à moi. Quand vous avez trouvé le cadavre, où était le capitaine Pérec? Je sais pas. Mais si, vous savez. Écoutez, monsieur Lecause, je suis votre seule chance. Si vous ne me parlez pas, vous allez en prendre pour 20 ans. Je vais pas retourner là. Je vais pas retourner à la ville. Allez, je vais pas retourner à la ville. Mais non, vous emmène pas à la ville. Venez. Vous êtes là, vous? Ça tombe bien. Emmenez ça à la balistique et vous leur demandez de me chercher 2 jeux d'empreintes. Alors, celle sur le canon et la crosse, et celle sur le ponté, la sécurité et la clé. Surtout, vous ne dites rien à personne et ça reste entre nous. Je vous expliquerai ça plus tard. Je peux vous faire confiance? Oui. Merci. Vous m'emmenez? Je voudrais voir l'amant. Mais le capitaine Pérec m'a donné l'ordre de le libérer. Est-ce que c'est le cause à ça? Merde, vite! Bien. Christine. Christine. Christine.
Christine ! Je crois que c'est Nadine qui a tué Delmar. Ce sont ses empreintes qu'on va retrouver sur la détente du fusil. Mais pourquoi ? Delmar n'aurait jamais dû revenir au village. Elle aurait peut-être fini par oublier, mais là, elle l'a vu et elle a paniqué. Mais comment elle va expliquer que son fusil se trouvait chez Lecos ? Elle dira qu'elle lui a offert. Elle chassait plus depuis l'accident. Non, c'est pas possible, j'arrive pas à y croire. Il faut la prendre sur le fait. En flag, mais elle a déjà tué. Elle va recommencer. Elle m'a quitté. Ça te fait rêver ? Non. Non. Nadine, non ! C'est trop tard. Vous m'empêcherez pas de faire justice. Ça ne changera rien de tuer Eric. Pas plus que d'avoir tué Delmar. Je dois aller jusqu'au bout. Au bout de quoi ? Capitaine. Vous n'êtes pas une meurtrière. Vous avez porté seul le poids d'une faute qui n'était pas la vôtre. Vous avez commencé à guérir, et le retour de Delmar est venu tout bouleverser. La douleur est revenue. Delmar était libre, il avait payé sa dette à la société. Et vous, personne n'est venu vous délivrer de tous ces morts. Alors vous avez fait justice. C'était très bien. Bah, puis la soupe de mémé était délicieuse. Ouais. Bon, bah au revoir alors. Au revoir. Merci. Au revoir. Allez, viens, mon bonhomme.